Le film, faut voir que c'est un objet cinématographique aussi. Donc, il faut qu'il arrive à démontrer tout en plaisant, parce qu'on est aussi des cinéastes, et le but, c'est quand même aussi de distraire tout en étant intelligent. Donc, il faut qu'il oscille entre la preuve et la façon d'avancer cette preuve. Mais la façon d'avancer cette preuve, la forme, ne doit pas non plus complètement tuer ce qu'on veut dire, le propos. Donc, c'est pour ça qu'on a monté, on a mis 9 mois de montage pour faire ce film, ce qui ne se fait plus du tout. La chose importante aussi, c'était qu'on voulait faire un film un peu populaire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un film pour initier, on ne voulait pas faire un film trop élitiste et l'ouvrir à un maximum de population, parce que l'objet d'abord peut être entendable, et parce qu'effectivement, pour nous, c'est important que cette question-là soit un maximum diffusé auprès du public. C'est toute l'organisation qui fait qu'effectivement, de plus en plus, les médias se sont détournés de l'objet qui était faire de l'information, qu'ils préfèrent en fait être financés par de la publicité plutôt que par de la vente, mais aussi la crise de la presse, vous savez, c'est aussi parce que vous voyez une grande différence, vous, entre Nouvelle Obs, Libé, Le Monde, 20 minutes, TF1, iTélé, etc. Les informations tournent en boucle. Il ne faut absolument pas les louper. Alors, au fond, vous pouvez lire dans Le Monde ou Nouvelle Obs que vous avez écouté le matin sur France Info ou lu dans le gratuit 20 minutes. Pourquoi vous avez dépensé 1,80€ pour ne pas avoir forcément un vrai travail que les journalistes doivent faire et qui est la base du journalisme, c'est-à-dire de l'investigation, de l'enquête, faire un travail en longueur. Au début, vous pouvez faire ce que vous pouvez parce que vous n'avez pas forcément les moyens, mais après, il faut être armé. Voilà, il faut être armé. Faut pas faire journaliste, faut y aller armé. Vous n'avez pas actuellement discuté avec les gars d'Al-Qaïda, avec du bisounours, voyez. Et les gars, ils sont pas sympas. Faut être armé. C'est un combat. Et c'est eux qui l'imposent. Donc nous, c'est la légitime défense. Donc allez-y armé, avec des outils. Vos outils, c'est des outils intellectuels. Et aussi des outils théoriques. Et des outils après, syndicaux. Se battre, se regrouper, faire du collectif pour empêcher ou pour regagner du terrain. C'est comme ça que l'histoire de l'humanité a avancé. C'est pas la première fois. Il y a eu d'autres. Dans d'autres domaines, ça s'est fait. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas dans la presse. Mmh.